now with me. Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi au studio. On va vous faire écouter une exclue de l'album d'Abdel. Donc aujourd'hui, on va être énormément nombreux. On est une dizaine au studio parce que Zantar a ramené des amis à lui qui sont dans la musique et on a des amis qui viennent de Lyon qui sont également dans la musique. Donc du coup, on va faire écouter les sons de l'album à ces gens pour qu'ils nous donnent leur avis, parce que c'est important d'avoir des avis. Donc voilà, là avec Abdel, on va se diriger vers un restaurant que vous connaissez très bien, le Cappadoce, qui est un restaurant snack turc. Donc on va aller manger là-bas et ensuite on va direction le studio. Il est, il me semble, 14h30. Donc Abdel va être au studio pendant très très longtemps. Donc je vous ramène avec nous et je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je crois que ça fait bien 30 minutes qu'on est sur la route et on est bloqué. Parce que ça va, je te gêne pas? Regarde ses Insta. Donc en fait, on est bloqué. Écoute, merde, trop tard. On est bloqué en fait sur la route. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est hyper bouché. Il y a l'idée du village qui a... Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Mais quand je vous dis vraiment, il a fait dans le lieu le plus stratégique de Grenoble. Ça veut dire le mec, il a tellement fait l'accident à l'endroit où il faut. Il a bloqué le centre-ville de Grenoble. Donc ça allait bloquer jusqu'à Échirol de l'autre côté. Ça a bloqué jusqu'à la rocade d'Échirol, jusqu'à la rocade de Lyon, jusqu'à même la rocade qui va de l'autre côté de Lyon. Donc même mon beatmaker qui doit venir de Lyon, il est bloqué. C'est affreux. À cause du... Depuis tout à l'heure, on voit les feux qui passent au vert et on ne bouge pas d'un millimètre. Ah mais tu vois, regarde, une personne, une seule, elle peut emmerder des milliers de personnes. Une seule. Putain. Bon bah là, on va aller manger, puis on se retrouve une fois qu'on va manger. Normalement, on doit retrouver Zantar avec ses amis là-bas. Parce que la dernière fois, t'as vu la vidéo où j'ai décalé la voiture de la femme? Ouais. On a poussé la voiture de la femme? Le truc, c'est que personne ne le fait. Donc forcément, faut attendre 30 minutes tant que la police arrive, tant qu'ils galèrent, les pompiers, faut qu'ils arrivent, pour qu'après, eux décalent le véhicule, pour que enfin au bout de 40 minutes, ça commence enfin un petit peu à se déboucher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Heureusement, des fois, de temps en temps, je vais pas dire qu'il y a des gens comme moi, parce que ça serait vraiment prétentieux, mais heureusement que de temps en temps, il y a ces gens-là qui font le nécessaire quand même, tu vois. Ouais. Parce que putain, sinon on bougerait plus là. Ah, mais c'est la merde totale là. Ah oui, mais là, c'est totalement la merde. Ah bah oui. Ça va pas se déboucher en klaxonnant, abruti. C'est bouché, hein. Ça va klaxonner. Hein. Bon, bah tout à l'heure. Hein. C'est pas gagné. Donc là, on se retrouve avec Abdel qui est en train de manger. Alors, Abdel, c'est bon ou pas? Je peux faire la même chose, moi. Toujours bon. Ça va? Attends, regardez, n'empêche, c'est un exploit. Hein. Regardez. Il est 16h10 et Abdel est dehors, en dehors de son lit. Mais voilà, donc là on est en train de manger tranquillement, on est en train d'attendre Flo parce que là on va aller direction le studio. Et le problème c'est que... En fait c'est les vacances, c'est le bordel sur la route. C'est le bordel, donc il y aura un peu de retard, mais voilà. Ça va, tu te régales hier aussi? Oh bah ben oui, bien sûr. Elle a pas mangé à midi en plus et sans diabète, il faut qu'elle mange. Ouais. Elle a pris du retard à cause des gens. À cause des encarts. Explique pourquoi, explique. En fait on était censé aller manger avec eux à 14h. Avec Zantar et ses amis. Zantar a mangé avant, mais il m'a pas prévenu. C'est vrai. Donc moi, à 14h, je l'appelle. Ouais, vous êtes où? On a mangé en ville, on a mangé à midi, quoi. Et voilà. Merci, Zantar. Je sais pas si je dois dire de rien. Que des bêtises, Zantar. Bon, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Là aujourd'hui, ça va juger ma musique pour me dire si mes musiques elles sont bien ou pas. Il y a du bon monde. On a dit à Zantar, va chercher quelques boissons. Ça a fini avec un sac de boissons, de je sais pas quoi, bref. Sacré merdier. Hein. C'est l'apéro? Moi, ma boisson, tu leur dis c'est quoi mon alcool à moi? Je fonctionne qu'à ça, moi.
Crazy Tiger, énergie. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à envoyer à Crazy Tiger sur Instagram, hein. Un partenariat pour tonton. Hein. Bon la famille, elle va être là l'exclu. Je vais vous montrer un petit peu, il y a pas mal de gens qui sont venus pour écouter tout mon album entre guillemets. Et je voulais pas trop vous en montrer non plus, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me donner leur avis. Des mecs qui font de la musique et tout. Bon, il y a une femme aussi, donc je vais pas trop vous montrer tout, mais je vous montre un truc. La musique. Je veux plus les voir, ouais, laisse-les loin de moi. Ils ont coup de couteau et coup de crasse. Comment ne pas rire, debout la tête haute, derrière Jazzaïr. Voilà, ça joue à FIFA là. Bon, bon voilà, on a ramené beaucoup de gens pour qu'ils me disent là c'est bien, là c'est de la merde, là c'est bien, là c'est de la merde, là c'est bien, là c'est de la merde, parce que il y a rien de tel que la vie des gens pour savoir si c'est bien ou pas. Zantar m'a ramené pas mal de ses potos qui font de la musique depuis très longtemps. J'ai eu des frérots, là, des rappeurs de Lyon qui sont venus, si vous avez vu, faire le con devant et tout. Sinon, c'est un bon gars qui a vraiment beaucoup de talent. C'est un monstre musicalement. Et j'ai ramené son poteau aussi, notre petit Titi. Voilà, donc on a ramené vraiment une équipe de choc. Vraiment une équipe de choc. Et pourquoi? Parce que on ramène une équipe de choc quand on a envie de choquer les gens. Et j'ai envie de vous choquer avec cet album, Inch'Allah. De toute façon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, donc on verra bien. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Je vous laisse. Vous n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit partage. Nous, on a beaucoup de travail ce soir au studio. Il y a beaucoup de monde ce soir, donc il ne va pas falloir que je déconne. Il y a beaucoup de monde, on est une quinzaine au studio. Donc voilà, on va aller faire la musique. Après, on va aller manger tous ensemble au resto. Et après, on revient et on reprend la musique. Voilà. C'est des gens qui sont allés, je croyais que ça allait fumer. Tu peux aller, hein, Flo, t'inquiète. Non, je voulais te dire un ou deux trucs, mais finis tranquille. Vas-y, bon, je vous laisse. Prenez soin de vous, Damifa. Ciao tout le monde, merci encore. C'est gentil. Gaming.